Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré du film de Walt Disney. Nous allons vous lire l'histoire des Aristochats que vous pourrez suivre avec nous dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Madame Adélaïde de Bonnefamille est une vieille dame très gentille qui vit à Paris dans une très belle demeure. Elle habite là, entourée de ses chats. Duchesse, une magnifique chatte angora, et les trois chatons de Duchesse. Marie, qui ressemble à sa maman, Toulouse et Berlioz. Il y a aussi Roquefort, la petite souris, compagne favorite de jeu des chatons. Froufrou, la jument. Et Edgar, le majordome très stylé. Mais ne nous fions pas aux airs polis de ce personnage. Un jour, Madame de Bonnefamille demande à l'un de ses très vieux amis, Maître Georges Hautecour, le notaire, de venir chez elle. Elle souhaite lui dicter son testament. La totalité de ses biens ira à Duchesse et à ses petits. De cette façon, ils seront pour toujours à l'abri du besoin. Après leur mort, c'est Edgar, vous savez, le maître d'hôtel, qui héritera de cette fortune. Tiens, voici Edgar. Il n'a pas l'air content de savoir que les chats hériteront avant lui. Mais que fait-il? L'infâme! Il a conçu un noir projet pour se débarrasser de Duchesse et de ses petits. Tenez, regardez-le. Que fait-il? Il prend un puissant soporifique qu'il mélange au lait tiède destiné au repas de nos petits amis. Et voilà comment ce soir-là, Roquefort, la souris, Duchesse et sa petite famille s'endorment d'un profond sommeil après avoir bu le lait ainsi drogué. Edgar met les chats dans un panier qu'il transporte en cachette jusqu'à sa motocyclette. Il place le panier dans le sidecar et démarre. Bientôt, il atteint les portes de la ville et s'éloigne de Paris en direction de la campagne. C'est alors qu'Edgar fait une rencontre inespérée pour le salut de nos amis, toujours profondément assoupis dans le panier. Il s'agit de Napoléon et Lafayette, deux bons chiens de ferme. Ces braves bêtes, très consciencieuses, sont persuadées que leur devoir est d'arrêter tous les véhicules à moteur qu'ils jugent trop bruyants. Et le hasard voulut que le chemin d'Edgar passât auprès d'eux. Les chiens sonnent la charge à leur manière en aboyant comme des diables et attaquent ce gredin qui s'apprête à traverser un pont. La motocyclette, dans une terrible embardée, quitte la route, le sidecar se détache et le panier tombe au bord de l'eau. Les chiens à ses trousses, Edgar est obligé de faire demi-tour et de regagner Paris. Quand Duchesse se réveille, elle est très surprise de se voir toute seule à la campagne. Elle appelle ses enfants et les retrouve un à un. Mais il se met à pleuvoir. Les chats se réfugient dans le panier et s'endorment. À Paris, le bruit de l'orage réveille Madame de Bonnefamille. Elle se lève pour voir si les chats n'ont pas peur. Elle veut les rassurer. Mais elle est désespérée sitôt qu'elle s'aperçoit que le lit est vide. Fébrilement, elle fait des recherches dans toute la maison, mais en vain. Le matin suivant, Duchesse et les chatons font la connaissance de Thomas O'Malley, un chat de gouttière errant sans but à l'aventure.
Il promet de les aider à retrouver le chemin de leur maison. Il dit à Duchesse et au chaton de se cacher dans les buissons sur le bord de la route. Justement, un vieux camion arrive en brinque-ballant. Au malais saute sur le pare-brise et il effraye tellement le conducteur par ses cris farouches que ce dernier, croyant avoir affaire à un démon, arrête son camion. Au malais, Duchesse et les chatons en profitent pour grimper très vite à l'arrière. En un rien de temps, ils sont sur le chemin du retour vers Paris. Au malais s'aperçoit, aux merveilles, qu'ils sont dans un camion de laitier et il invite ses nouveaux amis à prendre un petit déjeuner. Mais le camionneur découvre malheureusement les passagers clandestins et les chasse du camion. Après une très longue marche et diverses péripéties, notre petit groupe arrive exténué à Paris. La nuit est tombée et il est très tard. Aussi Thomas propose-t-il à Duchesse d'amener sa petite famille chez lui pour y passer la nuit. Duchesse a très envie de revoir madame, mais les chatons sont épuisés. Elle accepte donc l'invitation et Thomas les conduit jusqu'à sa demeure sous les toits. En arrivant à la maison, ils entendent des flots de musique. C'est Scat-Cat, un gros chat de gouttière musicien, ami de Thomas. Avec son orchestre de chats errants, il joue de merveilleux airs de jazz endiablés. On fait les présentations, puis Scat-Cat et son orchestre redoublent d'ardeur pour fêter le retour de Thomas au malais et la présence de Duchesse et de ses chatons. Le lendemain matin, Duchesse, Marie, Toulouse et Berlioz, accompagnés de Haut-Malais, se mettent en route. Ils arrivent enfin à la maison de madame. Avant de rentrer, chacun fait ses adieux au bon Thomas dont le secours a été si précieux. Edgar, très surpris du retour des chats, contre-attaque immédiatement et fourre tout notre petit monde dans un sac. Il transporte le sac dans l'armise et l'enferme à double tour dans une malle. Sur le couvercle, il colle une étiquette sur laquelle on peut lire « Poste restante, Tombouctou, Afrique ». Mais Duchesse a réussi à parler à Roquefort la souris et à lui demander d'aller chercher du secours auprès d'Omalais. Omalais envoie à son tour la souris chercher Scat-Cat et sa bande de chats de gouttière en renfort. Dans la remise, les choses vont bon train. Thomas saute bravement sur Edgar, mais il n'est pas de taille. Il est sur le point de succomber lorsque les chats de gouttière arrivent fort à point pour renverser la situation. Edgar n'a plus l'ombre d'une chance pour s'en sortir. Thomas aide Duchesse et les chatons à s'échapper de la malle, et c'est Edgar qui prend leur place, propulsé vigoureusement par une bonne ruade de froufrou qui s'est aussi mise de la partie. Les transporteurs arrivent et emportent la malle. On n'entendra plus jamais parler du méchant Edgar. Après, ce sont les heureuses retrouvailles avec madame. Elle accueille aussi Thomas qui fera désormais partie de la famille. Et elle décide de faire une fondation pour recueillir dans sa vaste demeure tous les chats sans abri. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat retombe sur ses pattes. C'est vrai. Tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis. Quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un gâte, le seul qui sache sa chaîne à swinguer. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes?
quand tout le monde veut devenir un cat. Il cloche quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou, ça suit comme un pied. Oh, rinky tinky tinky. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Oh, rinky tinky tinky. Oui, tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des cats. S'il vous plaît, maestro. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savantes gammes et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do. Répétons nos gammes et nos arpèges. Do, mi, sol, do. Pourra valoir son...